manger mon gars à Louis. Ici comment me gérer. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le kitty. Même si les voyous, c'est mourir à moi. Ali raconte à ce jour, je ne joue pas le changer. Tu as vu comment ta personne a préparé la banane marseillaise? Maman. Elle a mis le poisson frit dedans. Ça se passe où comme ça? Maman, j'étais dépassée hier. Quand elle est venue servir ça là-bas, j'étais dépassée. Pourtant, tu nous as toujours appris que pour faire le bon topsy banana, on met le poisson fumé dans la banane. Mm-hmm. Madame est venue servir ça avec le poisson frit. Je suis dépassée. Moi, je vous parle souvent mes choses comme une prophète. J'avais bien dit que ton frère ne doit pas épouser cette fille. Et comme il est têtu comme la chic du village là, il ne fait qu'à sa tête. Mais, je vais la traiter. Je vais la traiter. Oh, c'est mon problème. J'ai confiance, maman. Ha. Coucou, belle maman. Je t'ai apporté à boire. Excuse-moi si je n'ai pas pris le plateau là. Bon, je vous ai apporté un petit rafraîchissement. Attends. C'est tout ce que tu nous as apporté. Il n'y a pas la nourriture ici dans cette maison. C'est juste que je voulais d'abord finir de causer avec mon père et mon frère. Donc je vais devoir attendre quand tu vas finir avec ton père pour pouvoir manger dans cette maison, la maison de mon fils. Je vais te faire des choux farcis tout à l'heure avec des pommes vapeur. Ça t'arrange? Un chou farci à la vapeur, c'est quoi encore? Vraiment, maman? Je suis dépassée. J'ai dit, hein, toi, tu n'es pas une jeune femme. Tu ne connais pas la route de la cuisine, là. Tu ne peux pas te lever, là. Tu ne peux pas préparer pour ta mère et toi. Je suis venue ici, là, pour être ta ménagère. Eh, ah, tu es la bienvenue. Donc, je viens chez toi. En tant qu'étranger, ma mère et moi, nous venons. Je m'en vais à la cuisine faire à manger. Ton travail, c'est quoi dans la maison aussi? Je suis venue ici avec ma mère. Nous sommes tes invités. Donc, tu nous reçois. Et je vais te dire quelque chose. Chakunte, c'est ton grand frère. Et moi, je suis ton aîné. Si tu oses encore ouvrir ta sale bouche là pour me parler comme je vais me parler là, ce n'est pas ce que tu dis là. Je vais t'enlever les cheveux. Si tu vas me faire, maman, tu vois, non? Maman, tu vois, non? Tu vas quand même me faire, non, maman? Tu vas quand même me tirer les cheveux, non? Mais attends. Maman, tu vois, non? Ça ne va pas. Baisse ton doigt. Ça ne va pas. Je ne baisse pas. Assieds-toi. Je ne baisse pas, je ne m'assois pas. Ça ne va pas. Maman, tu vois, maman, tu vois, non? Tu me peux. Maman. Tu me peux. Depuis que tu es dans la maison de mon fils. Je ne t'ai jamais regardé en face. Tu me peux? Tu oses faire ceci devant moi? Maman, tu supportes quoi? Ta fille va aller en mariage demain. Voudrais-tu que ce soit de cette façon qu'elle se comporte dans la maison de son mari? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Papa, ma belle famille veut ma tête. Mado, qu'est-ce que tu veux même à ma fille? Hein? Ça devient même quoi? Qu'est-ce qu'il y a que ma soeur doit bavarder tous les jours dans cette maison, dis donc? Ferme ta bouche, Loxio. Pisseur. Quand les grands parlent, tu ne bronches pas. C'est vrai, maman. Un vrai pisseur au lit comme ça. Hé, hey, toi, ferme ta bouche. Tu es là. On t'a toujours dit que la taille était la force. Regarde-moi ça. Tu vois comment tu as éduqué tes enfants? La seule personne qui ne te ressemble pas, c'est Tchakunte. Je t'ai dit ça. Lui, au moins, il est bien éduqué. Mm-hmm. Donc, ça veut dire que tu dis que je suis une mauvaise mère. Que je ne connais pas éduquer. C'est ça? Papa, depuis que tu es entré dans cette maison, depuis que tu es entré dans cette famille, je ne t'ai jamais regardé des yeux. Alors, comme tu me cherches, n'est-ce pas? Tu me cherches, n'est-ce pas? Tu fais ça qui? Passe là-bas. Tu fais ça à la fille de qui? La fille de qui? Tu fais ça ici? Mon fils, merci parce que tu es venu. Oh, mon fils, ils veulent me tuer. Toi-même, regarde, ils veulent me tuer. Oh, ils veulent me tuer, mon fils, ils veulent me tuer. Hey, mais maman, ils veulent te tuer, tu es toujours en vie. Non, tu prends le parti. Tu prends le parti de tout ce monde ici. C'est pas ta femme là. C'est pas ta compagne là. Maman, écoute. Si vous commencez par m'expliquer ce qui s'est passé. Dis-lui, dis la vérité, rien que la vérité, dis-lui, pardon. Depuis hier que nous sommes arrivés ici, ta femme a préparé la banane marseillaise avec le poisson qu'elle nous a donné. Depuis le matin, voilà ce qu'elle vient nous donner. Voilà ce qu'elle vient nous offrir à manger.
Voilà ça, depuis le matin, on n'a rien mangé. Maman était juste en train de s'adresser. C'est bon, tu peux arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Je suis juste venue apporter un peu de rafraîchissement à ta famille. Comme j'ai discuté avec mes parents à l'intérieur, ta mère m'a demandé si je ne fais pas à manger. Je lui ai dit que je vais faire à manger tout à l'heure quand je vais finir de causer avec mon père parce qu'il est venu avec un problème urgent. J'ai dit à ta soeur que, mademoiselle, tu es une grande fille, une jeune fille, tu connais la route de la cuisine. Va dans la cuisine, il y a tout ce qu'il faut, tu prépares. Elles ont commencé à manger. C'est tout, hein. Mon fils. C'est toute la vérité. Mon Est-ce fils. Que c'est toute la vérité. Maman, laisse-la parler, tu vas aussi parler. Mon fils. C'est exactement ce qui s'est passé. Rien à ajouter. Tout ce que je peux dire, c'est excuse-nous d'avoir pris ta maison pour un lieu de bagarre. Déjà, il dit tes mains même. Il mente. Ferme ta bouche. Tu ne m'en as pas, moi aussi je ne vais pas. Ferme ta bouche, le crabe brûlé. Gobika est ta grande soeur d'au moins 5 ans. Et tu lui parles comme si elle était ton enfant. Je vais partir de ta maison. Je vais partir de chez toi. Reste avec ta Gobika, reste avec ou je vais partir de ta maison. Tu ne me verras plus jamais chez toi. Oh maman, laisse-moi le chantage affectif là. Ça ne marche plus avec moi. Maman, c'est vrai, on parle même. Je parle de chez toi. On va partir. Je parle, hein. On parle, maman. Et quand je parle d'ici, regarde. Je parle d'ici. Je parle. C'est seulement pas. Je vais partir. Je vais partir. Viens, on prend nos choses. On parle chez toi. Frère, tu me déçois beaucoup. Tu es un homme, et comment peux-tu permettre que les deux parents se bagarrent jusqu'à se donner les coups de poing? Tu veux qu'il fasse quoi? On t'a dit qu'il est tellement mal éduqué comme ta sœur? On t'a dit qu'il est si mal éduqué? Mon beau, j'ai essayé d'apaiser les tensions ici, mais tu connais les parents. Pardon, alors je vous accompagne. Tu connais les parents? Sorry, papa, allons. Ouais. Les rhumatismes. Ah, si, alors.